N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Les tensions persistantes au sein de la famille Delon continuent à s'aggraver. Anthony, Alain, Fabien et Anouchka semblent être en désaccord sur un sujet délicat lié à la santé de leur père, Alain Delon. Dans une déclaration publiée le samedi 13 janvier 2023 dans Le Parisien, l'avocat de la célébrité, Christophe Ayala, a identifié ce qu'il considérait comme les responsabilités dans cette situation. Cette affaire prend des proportions inattendues. Le groupe familial Delon, qui était auparavant uni lors de la plainte contre Hiromi Rollin, l'ex-compagne d'Alain Delon, montre des signes de désunion progressive. Depuis le départ de la dame de compagnie du Guépard, les dissensions se concentrent désormais sur les enfants. Anthony a été le premier à réagir dans cette querelle familiale, déposant une mise en demeure contre sa sœur Anouchka. Il reproche à celle-ci d'avoir mis en péril la santé de leur père en omettant des informations qu'il considérait comme cruciales. C'est simplement son frère, Alain Fabien, qui a choisi de la suivre en allant jusqu'à enregistrer secrètement sa sœur lors d'une conversation avec leur père. Pour se défendre, Anouchka a fait une apparition sur le journal télévisé de 20h d'Anne-Claire Coudray. Elle rejette fermement les accusations portées contre elle. « Quand j'ai découvert que cet article allait paraître dans Paris Match, la veille de sa publication, j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari et j'ai ressenti une profonde détresse. Je partage cela parce que c'est quelque chose qui m'a empêché de dormir ces 3 derniers jours. Je refuse d'être diffamée de cette manière, d'être qualifiée de manipulatrice, de menteuse ou de toute autre chose. » Face à la situation, Alain Delon a exprimé son profond mécontentement face à la médiatisation orchestrée par son fils Anthony. Par le biais de son avocat, M. Christophe Ayala, il avait manifesté son intention de déposer plainte pour diffamation contre son fils. Le samedi 13 janvier 2024, l'avocat de la célébrité revient sur cette affaire qui prend de l'ampleur chaque jour. Dans une entrevue accordée aux Parisiens, il évoque la division au sein de la fratrie. Anthony Delon a déclenché les hostilités en attaquant sa sœur Anouchka dans Paris Match au début du mois de janvier. Alain Fabien l'a rejoint sur cette ligne. Il semble que les deux aient des différends à régler. Actuellement, ils se disputent la prise de contrôle de leur père, le considérant comme un trophée à conquérir. C'est leur seule façon de se faire valoir. Ils se positionnent en victimes tout en se présentant comme des sauveurs, alors qu'en réalité, ce sont eux qui portent atteinte à l'image de leur père, affirme-t-il. Quant à Anouchka, elle n'est pas à l'origine du conflit, soutient l'avocat. Elle se retrouve malheureusement dans la position inconfortable de devoir se défendre après avoir été publiquement attaquée de manière frontale.